La cathédrale de la Sainte Vierge. Au cours de l'ère du pape Shenouda III, le 117e patriarche de l'Église copte orthodoxe, et durant le pontificat et l'excellence du père Métaos, l'évêque et le chef du monastère, et pour compléter les travaux de construction et de bâtiment, une énorme cathédrale a été établie au nom de la Sainte Vierge Marie. Elle prenait le style copte tout en contenant un sous-sol au-dessus des autels de la petite église. Au rez-de-chaussée se trouve la cathédrale surmontée d'une voûte qui est entourée par plusieurs demi-voûtes, ainsi que par des petites voûtes qui constituent le plafond sous forme d'une croix. Devant la cathédrale se trouve une cour inabritée qui est entourée d'un passage de trois côtés qui sont couverts par des voûtes construites de briques rouges non épilées. La cathédrale possède deux minarets de 29,70 mètres de hauteur, tout en tenant compte de conserver la même forme des anciens minarets du monastère. À la tête de ces minarets, il existe des croix dont leurs hauteurs atteignent 3,75 mètres de hauteur parce que les dimensions de la cathédrale construite sont de 35,50 mètres de largeur et de 62,25 mètres de longueur, comprenant les passages extérieurs, le passage de l'ouest qui renferme la cour, ainsi que les deux passages du sud et du nord. Le bureau du docteur ingénieur Mounir Abdoufam a effectué les dessins architecturaux de la cathédrale, tandis que les dessins constructifs ont été faits par le bureau du docteur ingénieur Sabri Saman. La cathédrale a été inaugurée le samedi 23 février 2008, correspondant au 15 Meshir 1724 Milad. La direction et le suivi des stages constructifs, dès les fondations jusqu'à l'achèvement des minarets et de la croix, ont été effectués par l'ingénieur consultant Medelon Mina Medelon et l'ingénieur Théodore Nassif Morcos. Les pas et stages d'exécution constructifs ont été faits par la société NCC, qui est la compagnie nationale de construction, qui est représentée par l'ingénieur Tarek Samir Wakim et M. Shenouda Ekladios, qui a commencé en 2005 à construire les fondements normaux et concrètes, les longrines, les piliers, ainsi que les plafonds du sous-sol et du baptistère.